Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient là pour la victoire 3-0 de KT Rolster en finale de LCK et son 12e titre de champion du monde. Pour ce pré-show LCS Europe, Fnatic contre Misfit, la 3e place avec Tektek et Gardoum. Comment ça va, messieurs? Bah écoute, ça va plutôt bien, voilà, avec évidemment quelqu'un à côté de moi, un certain fanboy qui est dans le déni total, évidemment. La LCK qui malheureusement n'a offert qu'un spectacle très court, en tout cas, puisque effectivement 3-0. J'ai eu un petit peu le même problème avec les Samsung, j'avoue, j'étais déçu. J'ai aussi eu envie de dénier, mais voilà, la réalité, la télécom war a été remportée à nouveau, toujours par les mêmes vainqueurs. Mais là, ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette 3e place en Europe. C'est pas le déni, c'est une autre réalité, et dans cette réalité, Fnatic va gagner 3-0. Moi je les vois bien, je les sens chauds, et Fnatic dans une bonne dynamique. G2, c'est trop solide dans la globalité pour être battu, du coup ils se sont pris de 3-1. Mais Misfits, il faut savoir que finalement, dans la saison régulière, ils se sont pris 2-0 par Misfits en début de saison. Ils ont ensuite à la fin mis 2-1 à Misfits, ils sont dans une bonne dynamique actuellement Fnatic. Moi je les vois bien remporter là un petit 3-0 ou 3-1. Alors, quel est l'enjeu de ce match? Alors, il y a un peu de bif, toujours, bien sûr, mais honnêtement, pour, on va dire, c'est minime. Surtout, ce qui compte, c'est les 20 points de différence entre la 3e et la 4e place. Les points de circuit qui sont octroyés en Spring et en Summer pour la qualification, ensuite aux Worlds. Et 20 points, ça fait une grosse différence quand on voit que chaque année, il y a des équipes qui arrivent à se qualifier au point alors qu'elles ont perdu en Summer, etc. On pense à Rox Tigers, par exemple. On pense même à SKT. SKT qui avait perdu Summer Split, mais qui était premier au point l'année dernière, donc qui avait été qualifié directement aux Worlds. Voilà, donc c'est assez important. Du coup, ça va se jouer entre Misfit et Fnatic. Les équipes se sont déjà rencontrées 2 fois pendant la saison régulière. Donc c'était, alors là c'était pendant les brackets où eh bien, on s'est un petit peu évité, mais voilà, le destin fait bien les choses, on va pouvoir avoir le point final, puisque il y avait eu une victoire de chaque côté pour chacune des équipes en saison régulière, c'est-à-dire qu'en semaine, c'était la semaine numéro 3, les Fnatic avaient pris un 2-0 assez sec, mais c'était l'ancienne équipe. Donc c'était avec Amazing X, c'était le début. Il y avait encore Nico Zepico. Oui. Et effectivement, c'était encore un Fnatic en construction assez jeune avec des nouveaux joueurs. C'était l'époque aussi où les Misfits étaient particulièrement en forme. Ils ont vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Et la dernière rencontre, du coup, c'était l'avant-dernière semaine, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Non, non, la toute dernière. La dernière semaine ? Ouais, toute dernière semaine. C'est le dernier match de la dernière semaine. Ah, c'était la hype totale, c'est avec la remontée, avec Fnatic qui joue son barrage contre Misfit qui est déjà qualifié, et si Fnatic perdait son match, ils étaient en neutre et c'était Rocket qui disputait les playoffs. Ce qui aurait été dommage quand on voit un peu le parcours de Fnatic. Bah, Fnatic en fait ils ont l'avantage d'avoir des joueurs clutch, vraiment, voilà, c'est pas nouveau finalement dans cette team, que ce sont des joueurs, notamment Soaz, hein, qui, voilà, le mec qui s'ennuie pendant la saison régulière. C'est un peu comme les élèves, tu vois, à l'école qui foutent rien tout au long de l'année, mais qui le jour du concours vont être à fond. Soaz, c'est un peu ça, voilà. Ah, tout au long de la saison, bon bah écoutez les gars, j'en ai rien à péter, ça m'intéresse pas. Par contre, là, il y a les playoffs, là, je peux montrer aux gens que vraiment je sais jouer à League of Legends. Soaz, bah, c'est le Origin style, c'est l'Origin Sloppy, l'ancien Origin, qui pendant toute la saison se touche un petit peu, puis les 2 dernières semaines, ils écrasent tout le monde, ils se qualifient à la dernière place en playoff, ils remontent jusqu'à la jusqu'à la finale où ils disputent le match au premier. C'est l'Origin Style, c'est vraiment, t'as parfaitement décrit Soaz, Gardoum, c'est l'élève que t'as envie de détester si t'es prof. Parce qu'il est endormi dans le fond de la classe, et à la fin, quand le contrôle arrive alors qu'il a rien glandé, et bien hop, il a une bonne note, et ça t'énerve parce que de toute façon, il est malin. Bon. C'est ça, mais en fait, il y a eu donc le switch de Fnatic, il y a eu ce départ de Nico Zepico qui a fait couler pas mal d'encre, plutôt le remerciement du coach Nico Zepico. Et en fait, libération pour Fnatic, ils se sont mis à jouer des drafts dans lesquels ils étaient confortables, à jouer des pics de confort, et surtout ils ont plus ou moins changé la façon de jouer, car avant c'était aussi la méta qui faisait ça, c'était le H-Jhin Varus, un peu de la mort, où tu joues pick-up et t'as un AD carry utilitaire qui est là au service de son équipe. Et on a switché le style de jeu chez Fnatic et on a mis Rekkles sur des hard carry. C'est Duke qui était là un peu pour la LCK et qui disait, ben, avant leur match, on a stream contre Fnatic, et il faisait full Twitch. Ouais, c'est ça, c'est du Twitch, c'est on a vu aussi Rekkles énormément jouer sur du Ezreal, alors c'est pas forcément Arcari, en fait ça permet de totalement dominer le mid-game potentiellement comme pick, donc effectivement, il y a beaucoup de ressources du côté des Fnatic qui se sont déversées vers cette bot lane, notamment effectivement grâce à ce changement de méta, le fait que tu puisses sortir potentiellement des Twitch, potentiellement des Ezreal aussi. Rekkles il a aussi ultra spam le Kennen AD, qui est aussi un champion qui a le même rôle que Ezreal, c'est-à-dire que tu vas avoir une tenue de lane qui est plus que bonne, et derrière tu vas essayer de crush en fait le mid-game si ton équipe te donne les moyens de le faire. En général Rekkles a les moyens de le faire. Et on a même eu de la veine. Oui. Ouais, il y a eu de la veine, et en fait l'intérêt de Kennen aussi côté Fnatic, c'est qu'il va être flex maintenant. Il y a peu de teams qui peuvent se permettre de faire un réel flex de Kennen. Fnatic peut le faire en l'occurrence. Peut-être, ouais, il y a extrêmement peu d'équipes, il y a peut-être Samsung aussi, mais c'est vrai que peut-être que le meilleur Kennen AD du monde, c'est peut-être Rekkles, c'est le seul où quand il y a un Kennen, je me dis, d'habitude on hurle, on arrache nos cheveux, ça dépend. Pas chez on part en tapant du pied et en pleurant, bah chez Fnatic, non. Alors je vous propose de regarder un petit peu les match-up, on a beaucoup parlé de Fnatic, on parlera aussi bien sûr de Misfit, mais ouais, disons que Misfit suit plutôt son plan de jeu, ils ont leur ligne directrice, ils ont leur draft, là où Fnatic a eu énormément de changements en peu de temps, donc on était nous-mêmes surpris de la prestation, hein, notamment ouais, le 3-0 sec et le Shukai, donc au niveau des match-up sur la top lane, on a Soaz contre Alphari. C'est très dur à juger comme match-up parce que c'est deux joueurs pour moi qui sont capables de passer à côté d'une partie, ouais, même si peut-être Alphari est un peu plus stable, mais qui sont capables aussi d'être complètement clutch à un moment donné. Pendant un BO, tu sais pas pourquoi, Alphari comme Soaz, ils vont prendre un tank et ils vont être horrible à gérer. Ouais, Alphari notamment, c'est son chaîne à chaque fois qui est juste ingérable, il est juste ultra fort sur le champion. C'est peut-être la grosse différence, on va dire, de style entre Soaz et Alphari, c'est que quand ils vont se mettre dans un rôle un peu plus carry, Soaz va quand même plutôt partir sur les champions qui peuvent mettre des dégâts, alors qu'Alphari peut totalement carry sur des tanks, ce qui est voilà, la légère différence entre les deux joueurs, mais c'est vrai que c'est compliqué d'anticiper lequel des deux sera le plus en forme en fait. Mais justement là on a le différentiel entre les deux joueurs, on voit assez proche quand même en termes de statistiques. C'est Alphari, donc surtout sur les tanks, beaucoup sur du speed push en fait, qui va énormément, qui va beaucoup moins TP en tout cas que Soaz, donc un peu moins de participation au kill, par contre qui a tendance en fait à être plus précis dans ses engagements, ça se voit notamment sur son KDA qui est légèrement au-dessus, et surtout il farm beaucoup plus, avec quasiment 0,7 CS de plus en moyenne, ce qui n'est pas négligeable en fait par minute, par rapport à un Soaz qui va être beaucoup plus présent avec sa team en fait. Alors, au niveau des junglers, là ça commence à devenir, c'est peut-être le point le plus problématique pour Fnatic, c'est d'un côté on a un Kakao qui peut être formidable, attention au Lee Sin. C'est pas toujours le meilleur. Voilà, une très grande attention au Lee Sin, voilà, donc on voit Kakao KDA qui est très playmaker, qui carry vraiment son équipe, contre un Broxah qui est loin d'être mauvais, mais beaucoup plus jeune et stratégiquement beaucoup moins calé. Alors on a vu à un certain moment Broxah sur un Graves capable de détruire le jungler ennemi, mais aussi je pense qu'on peut donner ça au draft et Shukai avec à base de Rengar plus Rengar plus Rengar plus Rengar plus des lignes faibles plus Rengar qui se fait trucider par Broxah, et contre un jungler compétent, et bien ou encore un peu plus compétent, je me demande comment ça va se passer. Ça va voir, je pense qu'effectivement il y aura, en tout cas du côté de Broxah on a envie de récupérer le Lee Sin, ça c'est évident, du côté de Kakao peut-être un petit peu moins. On va voir en fait quel va être le duel entre les deux joueurs, et puis bon évidemment le Rengar qui était ultra spam par les deux joueurs. Bah, après pour moi Broxah, le petit avantage qu'il a, c'est vraiment en termes de team, dans le sens où je mettrais Soaz un peu meilleur dans l'idée de prise de risque avec les pick carry, t'en parlais Tech, c'est quelqu'un qui peut passer à côté de ses games en effet, mais s'il est sur un pick carry, je pense à Camille, des choses comme ça, Broxah peut tout simplement aller essayer de lui donner ascendant, et si Soaz est dans une bonne game, il va savoir l'utiliser. Là où côté Alphari, vu qu'on est plus rétank, même si on peut carry, c'est pas le même, comment dire, c'est pas la même capacité à vraiment soulever toute la team en fait. Et je pense que c'est peut-être un des avantages de Broxah, c'est plutôt de pouvoir supporter des laners qui vont être un petit peu plus clutch. Ah, c'est pas du tout effectivement la même façon de jungle. Hein. On a un Kakao très agressif et un Broxah tout en contrôle, avec un pick Lee Sin assez disputé. Il n'y a que Broxah sur son Lee Sin où il prend vraiment plus de risques, mais il a pas joué beaucoup de Graves pendant cette saison, même s'il a été plus ou moins forcé. Mais effectivement, on n'a pas le même style. Broxah il est plus au service de son équipe. Ouais, c'est ça, et ça correspond à Cyanide avant chez Fnatic finalement. On avait PK mid, on avait Soaz top, deux persos très playmaker, très clutch. Maintenant on a Caps qui pareil, c'est un monstre mécanique. Soaz dans une bonne game, c'est un peu la même chose. Et du coup Broxah, Voilà, même schéma de jungler, comme Cyanide, on est là au service de l'équipe. C'est à l'époque, hein, c'est les anciens Fnatic qui disaient, Cyanide, en fait, Cyanide qui disait, en fait, moi je demande qui a besoin d'aide, où oui. Alors, qui a besoin d'aide, qui fait quoi, si personne, si tout le monde dit non, moi ça va, je continue à farm et je vais embêter le jungle ennemi, et si on me dit j'ai besoin d'aide, il va là. Donc c'est vraiment, voilà, c'est toujours demander, ok, où est-ce que ça commence à être un petit peu douloureux. Et bon, de façon différente, après... Bon, je suis aussi un fan inconditionnel de Kakao, mais pour moi, il a montré une meilleure saison que Broxah, ouais, qui a eu dans le moment de faiblesse Fnatic, mais en même temps que toute son équipe, quelques petits moments de blanc. Au niveau de la mid lane, alors là, c'est très intéressant parce qu'on a peut-être l'éveil, voilà, l'éveil de la force chez PoE avec Baby Faker. Ouais, effectivement, c'est deux joueurs qui sont ultra forts sur la lane, deux joueurs qui ont tendance à vouloir en fait dominer la lane, pas forcément de la même manière. PoE va tendance à jouer de manière très agressive, très haut en fait sur sa lane. Alors notamment, il est ultra impressionnant sur Orianna, j'ai rarement vu une Orianna. D'habitude, on dit que Orianna c'est un lane bully, c'est un champion qui va tenir sa lane facilement, etc. Mais en fait, avec Power Feeble, le champion c'est un lane bully parce qu'en fait il est ultra agressif avec, ce qui est quand même assez étonnant. Du côté de Caps, on est plus en contrôle sur la lane. C'est difficile de prendre Caps, je pense, par surprise sur sa lane. Il va être moins dans une notion d'agression, par contre, il punit énormément d'erreurs. Ah, il peut, en fait, je suis d'accord, en même temps, Caps il a parfois ce tilt qui fait qu'il va essayer de prendre son 1v1 et de faire son solo plays pour briller. Et aussi parce que c'était le modèle, mais ça c'était le modèle avant. C'est-à-dire c'était le modèle, on met Caps sur une Katarina, et tout le monde joue autour de la Katarina, et si la Katarina est fail parce qu'elle se mange une double fatigue et qu'il n'arrive pas à DPS, c'est la catastrophe. Et depuis le départ de Nico Zepico, on a plus fait un switch d'attention sur Rekkles, et donc Caps, et ça lui va bien. Il est un peu plus safe, un peu plus contrôle. Mais il y a toujours parfois ce relent de je vais tenter mon move. C'est vrai que parfois il a un petit peu envie de tenter Caps. Bah, et il a quelques moves de ouf, hein. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a des joueurs comme ça qui mécaniquement peuvent briller. Comme tu l'as dit, à partir du moment où il y a une autre menace qui est Rekkles, bah, c'est super intéressant pour les Fnatic, c'est qu'ils jouent vraiment avec une team triple menace. Les trois joueurs sont complètement adaptés à ça. Après, c'est vrai que le changement de méta a beaucoup évolué, hein. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait trois bans qui étaient mandatory, il y avait trois persos complètement fumés. Maintenant, les bans, ça peut être target vraiment selon la strat que tu veux mettre en place, selon les counter picks. Et je trouve que le jeu a vraiment évolué dans le bon sens, ce qui permet à Fnatic de briller bien plus qu'en début de split finalement. Ouais, effectivement, ils ont plus d'opportunités de jouer sur les bans. Après, ils ont toujours ce problème lié en fait à Broxah, c'est-à-dire que Broxah, il a toujours tendance à être forcé par défaut sur une Elise là où il est beaucoup moins performant. Et ça peut être aussi un point faible de Fnatic. Ils ont l'avantage effectivement de mieux pouvoir gérer notamment leur solo lane en termes de draft. Ils ont plus de mal dans la jungle, ça va être une des difficultés pour la draft. Alors au niveau de la duo lane, pareil, Hans Sama qui a fait une très bonne... De toute façon, tous les Misfits, hein, pour une nouvelle équipe, qui ont fait une excellente saison et qui ont bien mérité leur deuxième place. C'était assez dur d'aller chercher G2. Contre Rekkles. Alors, aussi bon, Hans Sama est-il été dans ce split, fut-il dans ce split, c'est dur de le donner gagnant face à un Rekkles en forme olympique. Après expérience. Je pense qu'il faut prendre la duo lane sur l'ensemble. Ouais. À mon avis, mais effectivement, si on prend purement Hans Sama contre Rekkles, ça se voit au niveau des stats. Je pense que Rekkles, ouais, c'est ça, c'est un espèce de Hans Sama évolué. C'est-à-dire qu'Hans Sama, il est encore très jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver. Je pense que c'est un joueur qui est extrêmement bon mécaniquement. Et Rekkles, il est déjà en fait un petit peu au top de sa forme. Et c'est vrai que depuis, en plus, ce switch, on l'a dit avec Nico Zepico qui est parti, Rekkles, il a totalement explosé, hein. Donc ça va être très compliqué pour le 1v1. Mais les supports peuvent un petit peu faire pencher la balance. Ah, effectivement, dans ce match-up, c'est vrai que bon, il y a le petit côté affectif d'Hans Sama, le petit français qui arrive en LCS, qui est déjà très performant, mais Rekkles, il a tellement d'expérience en fait depuis les années. On rappelle, hein, Rekkles avait joué chez Fnatic au début, puis il avait pas l'âge, du coup il était passé en prêt chez Copenhagen Wolves, et Fnatic l'avait gardé chez Fnatic Academy jusqu'à ses 17 ans pour le sortir dans le roster. Voilà, ils avaient bien senti le talent. Hans Sama, c'est un peu le même profil. Mais Rekkles, il est très expérimenté maintenant sur la scène. On l'a vu dans le BOH2K, c'est vraiment un monstre. Mais surtout, il a subi pas mal de saisons chez Fnatic et hors aussi même de chez Fnatic, et Bon bah pendant un moment, après le départ de Yellow, c'était un peu la responsabilité était sur ses épaules, de venir shot call pour son équipe, de venir un peu faire le capitaine en tant que joueur d'expérience. Après bon, Soaz a fini par remettre les pieds à la maison, mais il a eu toute une période où il a été obligé de se développer en tant que leader, assagi et... ben là où il avait fait un début de saison où on l'avait pas vu briller, mais aussi faute de la méta, ouais, de mettre des carries sur des utilitaires. On pense, on fait des bisous à Deft ce matin dans le BO KT SKT qui a été transparent. Ben maintenant voilà, bon, alors son Kennen qui est quasiment du instant ban, mais capable de sortir du Twitch comme d'une Vayne, une Jinx m'étonnerait pas, une Tristana non plus, une Caitlyn, un Ezreal. C'est là où il y a un truc super intéressant, c'est que dans les pics tels que Twitch, Kennen et autres, c'est des pics qui n'ont pas une grande range. Et Hans Sama, on sait qu'il a son petit Draven en pocket pick. Est-ce que dans un BO comme ça, face à un pic qui est short range, tu vas mettre beaucoup plus de dégâts, ça peut se sortir. En playoff, sortir c'est vraiment t'es en train de perdre le BO et ton carry AD est en confiance et il y a 5 bans sur les AD et tu dis bon allez c'est tout pour le tout. Et au niveau du coup des supports, ouais, les supports du coup qui vont un petit peu faire pencher la balance. Ignar qui est selon moi peut-être le meilleur support d'Europe, il a été ultra Yamiti. J'allais dire en fait le meilleur nouveau support d'Europe. Effectivement, dans ce cas-là, je te l'accorde complètement, Tektek. Ouais, non, il est vraiment ultra impressionnant, Ignar. Il est partout en fait. Il aide énormément. La duo lane avec Hans Sama fonctionne très bien. C'est une duo lane qui peut être ultra dominante. Et bon, on l'a vu, la grosse différence, c'est que Jessie arrive à mettre beaucoup plus de dégâts. En fait, Jessie on utilise pour compenser quand on fait les combos Kennen Zaira. Ouais, c'est ça. On place beaucoup Jessie en tant que damage dealer et on lui accorde de la ressource. On lui accorde des kills pour compenser un petit peu la faiblesse de Kennen en dégâts tout au long de la partie. Même si à la fin Kennen ça commence à être extra acceptable, ça met beaucoup de temps à se stuffer correctement et quand ça marche pas Kennen, il faut pouvoir le faire remonter devant. Donc effectivement Jayziz a un peu ce rôle de, on va dire, de carry secondaire. Ouais, c'est ça, et du coup en fait il a souvent un positionnement qui est un peu plus agressif aussi. Il a tendance à plus se faire catch parce que il a besoin aussi d'être à l'avant en termes de dégâts et d'engage. Ouais, les stats de l'équipe, c'est assez amusant de voir que finalement, au niveau des statistiques, tout au long de la saison, Misfit domine. Après, ils ont fini devant en classement par rapport à Fnatic, du coup, il y a une logique derrière tout ça. Mais pourtant, dans la finalité, à ce jour, je ne vois pas Fnatic tant derrière que ça. Et les matchs aujourd'hui vont être vraiment cool. Mais au niveau des First Blood, il n'y a que First Blood finalement où Fnatic est devant. Et ça, on l'avait revu au niveau des stats de Jungle où finalement Broxah, c'était la seule stat où il était devant Kakao, c'était les First Blood. Faut faire attention en fait à Fnatic parce que ils jouent un peu libérés, ils n'ont pas grand chose à perdre. Déjà, je pense qu'ils sont très contents d'être arrivés jusque-là, même si bon, il y a des ambitions de faire mieux toujours. Mais ils jouent un peu en roue libre, sans le coach. Alors, ils entraînent des choses, bien sûr. Ils ont des analystes, ils ont tout un staff autour. Mais quand on arrive dans la draft, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ce qui a donné lieu notamment à la veine où ils disent en interview, bon, on l'avait pas entraîné, on l'avait pas joué, mais on se disait que là, sur ce moment, c'était un bon pick. Donc il y a ces cheese, il y a ces pocket picks Fnatic avec, ça reste un style de jeu Fnatic, c'est toujours une compétence qu'ils ont de pouvoir emballer une partie et de pouvoir la rendre complètement illisible pour l'adversaire avec des moves. Enfin, c'est vraiment l'équipe d'instinct par excellence. Là où Misfit, je trouve que c'est un peu mieux bâti stratégiquement, un peu plus stable, avec une macro très solide, avec des joueurs talentueux. Moi, j'ai du mal tout de même à voir Misfit s'incliner contre Fnatic, même si aux dernières nouvelles, Fnatic avait gagné 2-1 en BO5. Moi, je vois un Misfit qui peut le faire. Ah, moi, je mettrais bien le 3-1 Fnatic, en fait. Ah. Pour l'amour du beau jeu, parce que voilà, ce sont des joueurs qui... Enfin, s'ils sont dans un bon jour, on sait à quel point ils peuvent être monstrueux. Après, effectivement, il y a aussi d'excellents talents du côté des Misfits et il y a la solidité. Mais je pense que, justement, Fnatic a ce côté surprise. Et puis bon, tu peux pas counter si l'adversaire lui-même connaît pas sa strat, finalement. C'est vrai, on peut sortir le bon même. C'est compliqué honnêtement de savoir quelle équipe va l'emporter. Ça va beaucoup dépendre de l'état de forme. Un petit pronostic, mouille-toi avant qu'on passe à la pause. Je vais voilà, je suis en train d'expliquer mon point de vue. Je pense que les Misfits sont néanmoins meilleurs. 3-0 Misfits. Alors non, bien tenté. Non, j'allais dire je pense qu'il y aura 3-1 Misfits, mais ça ne m'étonnerait pas que le BO soit beaucoup plus serré que ça. Oui, voilà. Dans tous les cas, je pense qu'effectivement la rencontre va être disputée. En tout cas, nous, on va vous laisser pour faire une courte page de publicité. On se retrouve à 17h pétante pour le début de cette 3e place de LCS Europe. A tout de suite sur O Gaming.